Ah ouais, ça c'était épais un peu. On a dû passer le balai avant. Ou plutôt l'aspirateur. C'est pas si pire quand la poussière tombe sur la peinture fraîche. Si t'es pour faire une couche après par-dessus, ça va juste affecter la texture. Tandis que si tu nettoies pas avant ta première couche, ou si tu passes pas le balai avant de mettre une deuxième couche, c'est-à-dire quand c'est sec, là, le problème que t'as, c'est que t'as un grain de poussière entre ta surface qui est sèche, puis ta peinture que tu vas appliquer. À ce moment-là, ça fait que la peinture, alors là, où tu as de la poussière, elle va pas coller après. Elle va juste coller après la poussière. La poussière, elle colle pas après la couche qui est sèche. Donc, ça fait que ta couche de peinture tient pas. Si tu fais tomber de la poussière sur une couche qui est fraîche, beaucoup moins. Ouais, je viens de voir qu'encore une fois, le stream a arrêté. Je sais pas si c'est moi qui accroche le bouton tout le temps. Mais bon, je jasais à propos de la poussière. J'ai passé un coup de spray ici. Ça a fait lever la poussière qui s'est ramassée dans la peinture. C'est vraiment pas idéal. Sac, pourquoi t'as... Volume que ça coupe. Apparemment que c'est un raccourci, mais pour moi, c'est plutôt un grand détour, le bouton volume. Bon. Donc, je disais, t'as de la poussière qui revole, qui se colle dans ta peinture. Si ta peinture est fraîche quand ta poussière tombe dedans, c'est moins pire, parce que ce que ça occasionne, c'est que ça va juste affecter la texture du résultat, versus si t'as... Si t'as pas passé le balai avant de mettre ta deuxième couche, c'est-à-dire si ta peinture est sèche, ou si tu t'en vas faire ta première couche et que t'as de la poussière sur ta surface, le gros problème, c'est que là où t'as ta poussière, la peinture va juste pas coller. La peinture, elle va juste coller après ta poussière. Donc à ce moment-là, ça occasionne que la peinture va pas tenir après ça. Si tu viens d'appliquer de la peinture, tu viens d'appliquer une couche, que subitement, ben je veux dire, si t'échappes la poussière sur une couche qui est fraîche, au moins cette poussière-là, elle va coller après la peinture qui est encore fraîche. Donc ça, c'est moins pire. Ça va pas faire décoller la peinture à ta prochaine couche. C'est à... Ta poussière, elle va être logée entre deux couches après laquelle elle s'est collée. Donc ça va pas être si pire. Là, je suis en train de rendre ça pire ou mieux? On va souhaiter que c'est pour le mieux. Je vais shooter une dernière petite couche.
trop humide ici. Ça va être pas bien. C'est un restaurant, mais j'ai aucune idée où sont leurs serviettes de papier. Allez voir en haut. De quoi en haut? Des oignons. Oh! Ça va falloir faire quelque chose avec les escaliers. Peut-être un prochain vidéo. La peinture, ça colle pas quand c'est mouillé. J'ai marqué cet endroit-là d'un ruban. C'est un endroit où il y a une plaque de métal qui va venir se déposer. C'est la plaque qu'on voit là. Ah, on ne peut pas zoomer. Donc, cette plaque-là va se déposer par-dessus. Mais le ruban, c'est vraiment juste pour indiquer l'endroit. Le ruban est en retrait de quelques pouces. Donc, en métrique, c'est plusieurs centimètres. Donc, c'est simplement un repère, mais j'applique quand même la peinture en dessous de la plaque parce que la peinture, c'est une excellente protection contre la rouille. Donc, même si il n'y avait pas de. Même si on ne voit pas cet endroit-là, c'est bien d'appliquer la peinture. Parce que à cet endroit-là, c'était rouillé quand j'ai retiré la plaque. Donc, j'ai tout poncé ça avec un grinder, une meuleuse. Puis à ce moment-là, ben, c'était du métal nu qu'il y avait. Le métal nu, si tu l'exposes à l'humidité, ça va simplement rerouiller. Puis moi, on m'a engagé pour mettre de la peinture parce que c'était rouillé. Donc, je veux pas que ça rerouille. Et voilà, ça c'était la partie application de la peinture. J'ai fait toute une couche. Un petit morceau de ruban là-bas, j'espère qu'il ne collera pas dans la peinture. C'est parce que là, il est trop tard pour aller chercher. Je vais vous parler un peu de mes outils. Ça, c'est un applicateur Wagner. J'ai acheté ça chez Home Depot. Relativement pas cher. Ça applique la peinture. Ça se repaye environ 3-4 jobs pour le temps que tu gagnes. Il faut apprendre à s'en servir pour ce qui est nettoyage, puis s'assurer que l'embout ne bouge pas, dépendamment de la peinture que tu utilises. Si tu utilises un après au latex, si tu veux appliquer un après au latex, un après, c'est quand même assez épais. Puis la machine a tendance à se boucher si tu la nettoies pas régulièrement. Comme on voit, il y avait un petit morceau de peinture qui... morceau de peinture qui avait commencé à sécher sur le bout du
sur le bout du pistolet ici. Donc, faut traîner toujours avec soi un linge humide pour toujours nettoyer le. Toujours dire nettoyer. Quand tu arrêtes, quand tu prévois arrêter plus que quelques minutes, tu prends un linge humide et tu fais juste frotter le bout ici pour t'assurer que ça sèche pas. Mais ça, c'est un. Cette pièce-là, c'est amovible. Donc, on débarque comme ça. Essentiellement, la deuxième partie ici, c'est un séchoir à cheveux. C'est simplement souffler de l'air. Rien d'autre que souffler de l'air. Toute la magie est là-dedans. Celui-là, le kit vient avec deux modèles. Un modèle ici qui est quand même sensiblement plus gros que l'autre. On compare côte à côte. Lequel est le plus gros? Clairement lui. Lui, il semble avoir plein d'options. Tu peux shooter, tirer, vaporiser à grand angle ou vaporiser à plus petit angle. C'est un petit peu dur à voir parce qu'il est tout. Ah oui, règle importante, lavez vos outils à chaque fois que vous avez fini de vous en servir. Ça fait des streams sur YouTube un petit peu plus agréable. Donc, petit angle, grand angle. Le petit angle, il est pratique pour couvrir des petites surfaces. Si tu es pour faire le cadrage d'une fenêtre ou si tu vas un cadrage de porte, etc. Et le grand angle, c'est mieux pour des grandes surfaces. Puis, j'aurais bien utilisé lui pour essayer pour faire le plancher. Sauf que, après avoir lu un peu plus sur le sujet, celui-là, il est bon principalement pour la peinture au latex, pour le mur et les plafonds. Parce que ça dit que ça donne un fini comme s'il était appliqué au rouleau, c'est-à-dire avec des petits picots dedans, comme une texture un peu plus naturelle. Donc, si tu recherches un fini plus lisse, satiné, plus doux, plus lustré, on recommande celui-là. Celui-là, apparemment, son jet est plus mince et plus uniforme. Mais c'est pas que lui est pas assez bon pour être uniforme, c'est que lui est fait pour ne pas être uniforme. C'est fait pour être plus texturé. Parce que lui, c'est pour une application plus fine. C'est la première fois que j'utilise celui-là. Lui, je l'ai utilisé déjà une bonne vingtaine de fois. Donc lui, il m'a beaucoup impressionné. Il me donne l'impression comme si j'utilisais une cacane de peinture. La peinture en spray, en cacane. Donc c'est vraiment pratique. Ça va bien, ça marche bien. Il est facile à laver. Il y a un petit peu moins de pièces que lui. Quand on finit de s'en servir, donc on décroche ça. Ça, c'est une sorte de shaper de jet d'air. Ça, on dévisse ça comme ça. Je vais ces pièces-là qui s'enlèvent. C'est un autre sorte de passage d'air, canal d'air. Oh, ça sèche là. Non, c'est basse. Tu nettoies pas tes outils quand t'as fini. Puis là, il y a le truc d'air là-dedans. Il n'y a pas moins de pièces. Ben, je veux dire plus de pièces, mais il n'y a qu'une pièce de plus. Pièce rouge qui est amovible. Donc toutes les pièces s'enlèvent. Puis l'idée pour nettoyer ça, tu fais juste mettre ça en dessous de l'évier, à l'eau chaude. Tu feras ça, ben, tu blastes l'eau le plus possible. Puis tu peux même remplir ça d'eau, puis tout le rassembler. On n'est pas obligé de remettre l'embout, mais si tu veux nettoyer ça, tu peux mettre l'embout, ça aide. Puis remplir le dos chaude avec peut-être un peu de savon, puis shoot-les, installer sur le gun, puis fais juste tirer pendant le temps de vider le réservoir, faire passer toute l'eau dedans. Ça fait que ça va le nettoyer. Si tu utilises la peinture à l'eau, c'est-à-dire latex, par exemple. Mais si tu utilises plutôt une peinture à base d'huile, mais là ça sert à rien
faire cette opération-là. Ce que tu peux faire, c'est le nettoyer avec un peu de Varsol ou autre solvant. Autre solvant du même genre, un solvant minéral. Puis à la fin, tu peux en mettre un peu dedans puis le shooter. Sauf que c'est vraiment juste en cas de dernier recours parce que c'est un peu polluant le Varsol, surtout si t'es pour en shooter, comme, le gaspiller un peu. Fait que Varsol, dernier recours. Ça, c'est même principe. Il y a à peu près il y a une pièce de moins que l'autre, mais ils sont plus faciles à enlever. C'est tout. Hop, oh non! Oups! J'ai oublié qu'il y avait de la pression là-dedans. Pour libérer la pression. Et voilà. Non, j'ai les mains pleines de pinces. On va nettoyer ça. La bière. Donc, je disais que c'est important d'avoir un plancher propre, un plancher, une surface propre avant de peindre. Donc, logiquement, si tu peins un plancher, c'est pratique d'avoir des souliers de peintre un peu plus propres que sale. Les running shoes, c'est pratique parce que, surtout les running shoes style skate, parce que il n'y a pas beaucoup de semelles, il n'y a pas de place vraiment pour que la saleté rentre dedans. Ça, je marche sur le plancher tout autour, ça va être sali, hein. Mais versus des bottes de travail comme ça, je traîne de la cochonnerie de je sais pas par n'importe où, hein. Donc, c'est bien d'avoir des running shoes pour peindre. Le système de vaporisateur est pratique pour une feuille parmi tant d'autres. On peut récupérer la peinture. En peinture, là, il y a quelque chose, une règle quand même assez importante, c'est rester propre. Des fois, tu vas t'apercevoir que de recouvrir tes surfaces, t'assurer que la peinture tombera pas dessus, c'est plus payant que de devoir nettoyer la peinture subséquemment. C'est donc bien recommandé de garder son espace de travail propre. Puis, pas apparemment, le resto est fermé en ce moment, à cause de COVID.
Donc, c'est pour ça que des choses traînent partout. Moi, j'ai tassé bien des affaires pour peindre. Ce qui est arrivé, c'est leur. Pendant qu'ils étaient fermés, leur frigidaire est capoté. Leur chambre froide a carrément explosé, le compresseur. Puis là, ils vont faire venir un de leurs amis futuriste pour le réparer. Mais vu que le plancher était tout brûlé, ils m'ont demandé « Hey, tu peux peindre ça avant que le frigoriste passe? » Là, j'ai dit « Ben ouais. » C'est un excellent moment pour le faire. Encore une fois, je vous déconseille fortement d'utiliser des solvants pour nettoyer la machine. C'est pas une question d'environnement, c'est quand même du plastique ça. Puis, je veux bien croire qu'ils ont pris des plastiques résistants aux solvants, mais c'est bien le terme, c'est résistant, pas à l'épreuve des solvants. Donc, si tu. Constamment avec le chiffre trop puissant de savoir Nero, Varsovie, etc. C'est que éventuellement le plastique il a beau être à l'épreuve, mais il sèche, il craque. La puissance des solvants organiques va progressivement dégrader le plastique en surface jusqu'à temps que ça soit la fin. À ce moment-là, tu vas juste tout détruire tes si belles machines. Bon, je vais faire un exemple de ce que je disais rempli d'eau. J'avais mis de l'eau dedans. On remet le milieu ici, la pièce ici, on appelle ça le pointeau. Aucun lien avec pointeau tremble. Ben, je dis aucun lien, mais peut-être que l'inventeur du pointeau était natif de pointeau tremble, mais ça serait toute une coïncidence. Cross-thread. Juste de l'eau tiède dedans, et la seule chose que je vais faire, c'est you
de tirer, c'est là que tu sais qu'il est vide. La preuve, c'est qu'il en reste quelques millilitres au fond. Voilà. Ce pistolet-là, le réservoir de peinture a un tuyau, un tube ici qui est anglais. Donc, c'est important, dépendamment de ton type de travail, de l'orienter dans ton sens. C'est pour tirer souvent vers le sol, le plancher. Typiquement, si tu fais un mur, tu peux commencer par le mettre dans ce sens-là. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir accès à la peinture dans le réservoir quand tu tires le plafond comme ça. Ça fait que le tuyau est toujours submergé dans la peinture. Et quand tu arrives pour faire les moulures ou le bas, ou comme dans mon cas, je fais un plancher, tu retournes le tuyau de sens pour qu'il soit toujours dans la peinture quand il penche vers le bas. Ça permet de ne pas tirer de l'air. Le but, c'est d'appliquer la peinture, pas de l'air. Donc, c'est ça. Ce tuyau flexible ici sert à... C'est de l'air qui passe là-dedans. L'important, c'est qu'il ne soit pas bouché. Mais ce tuyau-là, c'est un tuyau standard. Si jamais il est bouché, c'est quelques sous à une quincaillerie. Ça va coûter plusieurs sous parce qu'ils vont vous vendre au moins un pied. En métrique, c'est 30 cm. Mais ça, c'est. Une pièce comme une autre. Versus. Ça ici, je parierais qu'on ne peut pas acheter ça à n'importe quel quincaillerie. J'aimerais ça en avoir plusieurs de ces pots-là, ainsi que des couvercles. Ça me permettrait de transporter de la peinture en petite quantité sans traîner des galons. Souvent, t'as pas besoin de mettre beaucoup de peinture. Ça, je pense qu'en trois couches que j'ai faites, j'en ai rempli un et demi peut-être, même pas. Finalement, un galon comme ça, c'est peut-être trop. J'aurais pu m'en sortir avec une pinte, mais on ne sait jamais. C'est toujours pratique d'en avoir plus. Un gris clair, ça s'appelle épuré chez Sico. Au début, j'avais demandé PPG, mais les gars n'en avaient pas en stock. Ils m'ont dit PPG chez Sico. Il y a déjà plusieurs années que progressivement ils ont combiné leurs produits. Donc supposément que la peinture à plancher Sico, peinture pour extérieur en acrylique, c'est une peinture. C'est la même peinture que PPG, c'est le même produit que PPG. Ils disent. Je me fie à eux. Je suis pas un expert en peinture. Je suis un expert en application de peinture. Ben, un expert. Aspirant expert. La peinture, c'est un drôle de thème. On dirait que le monde qui vend la peinture, ils veulent te garder dans la noirceur par rapport à ce que le produit est. On veut pas te dire c'est quoi la chimie, on veut pas te dire c'est quoi les solvants compatibles avec ça. De peur que t'aies pas acheté leur solvant de marque XY. Le solvant spécialisé pour la peinture de marque Robert. Qu'est-ce que c'est? C'est du Varsol. À quel prix ils vendent? À 5 fois le prix du Varsol. Ça là dans le coin. Ah, on a une plaque chauffante. Ça sera.
plus. Ma première étape dans ce job-là, c'était d'enlever la rouille qui avait sur le plancher. C'était pas facile. Ben, ça allait bien, sauf que... Ce que je me suis aperçu plus tard, c'est que ça a fait un immense nuage de rouille. Ça s'est retrouvé un petit peu partout. Puis la rouille, c'est comme pas facile à nettoyer. Je sais pas si ça se voit, la porte est toute orange. Je suis passé un coup de linge. Voilà. On voit la démarcation. Ok, ça va prendre un bon coup de nettoyage. Ah, ici, on le voit bien. Un spot de rouille. Heureusement, c'est pas toxique la rouille. Écoute, j'en mettrai pas sur mes tosses le matin. Mais c'est pas de l'amiante, c'est pas un allergène, c'est pas comme. Pas de la poudre d'œuf. Du jaune d'œuf en poudre. Okay. C'est juste important que ça soit propre avant qu'on réouvre le resto. Je jase de même, mais je suis même pas sûr qu'il y ait une personne qui m'écoute en direct. Pas pire. Quand même assez cool pour le réveiller et on contrôle la température quand même. Tu l'ouvres à la proportion que tu désires. Puis on ça ici, petite poignée pour le débit. Tu l'ouvres juste un petit peu. Juste un peu d'eau qui coule. Puis ça va se rappeler de ta température. Donc là c'est tiède, très tiède comme température. Puis l'eau maximum. Puis il y a aussi un spray comme ça attaché après un T. Donc quand tu squeezes la poignée, c'est un restaurant, mais si j'avais une shop, je considère que ce serait vraiment pratique d'avoir ça dedans. Nettoyer les pièces de peinture. Hein. Bon jeu, très puissant. Pratique. C'est pas mal tout pour aujourd'hui. Ça va sécher, ça va faire la peinture. Puis je pense qu'on va y aller pour une dernière couche après. Plus de café. Alors, je vous remercie de m'avoir accompagné, puis c'est ça. À la prochaine.